La santé de Hosni Moubarak se dégrade toujours un peu plus. Une source médicale à l'intérieur de la prison où le président égyptien déchu est enfermé indique que son cœur s'est arrêté au moins deux fois. Les médecins ont dû utiliser un défibrillateur. Hosni Moubarak est détenu à la prison de Tora, dans le sud de la capitale égyptienne, depuis qu'il a été condamné à la perpétuité. L'ex-chef de l'État est accusé de n'avoir rien fait pour empêcher la répression de la révolte au début de l'année 2011. Le fils aîné de l'ancien Raïs a été autorisé à rester auprès de son père, rapporte l'agence de presse officielle. Mais la famille demande que Hosni Moubarak soit transféré vers un hôpital du Caire. Les autorités égyptiennes sont mal à l'aise, car cette décision pourrait provoquer la colère d'une partie de la population, et cela à quelques jours du second tour de la présidentielle.